Qu'est-ce qui se passe encore là? Salut, Abdoul! Pas Abdoul, Abdel! Hein? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je passe ma balayeuse. La nature, c'est beau, hein, mais c'est sale. Puis, qu'est-ce que tu veux dire? Ça! Oh, ça! Hey, hein? Ça, c'est le stock cheap d'Hydro-Québec qu'on paye avec nos taxes. Si ça s'appellerait Hydro-Canada, ça se passera pas de même. Bon, je vais appeler l'Hydro. Attends. 3h15 aussi. Ils ont fini leur journée, eux autres, à cette heure-site. Il y a la mousse qui est là, va-t'en! Le style d'immigré en marque, toujours après chiolis. Toujours. Ça, toi. Tu vas en manger une. Fais-moi pas ça, ma maudite. Colis, cette caisse électronique en marde. On aurait jamais fait installer ça au garage, cette petite cochonnerie-là. Le vendeur, il me disait, c'est simple comme bonjour. Moi, tu en rentrer un dans le cul, moi, un bonjour. T'as essayé, open? T'as essayé, open? Qu'est-ce que tu penses que je fais depuis tout à l'heure? Regarde, ça, c'est le piton open. Je pèse dessus, puis regarde, ça open pas. Non, ça y est. Essayez. Open. Je viens de te dire que ça fait 5 minutes que je l'essaye, puis ça marche pas. Parce que c'est toi, tu penses qu'il va s'opener? Non, tu viens de compagnie, pas assez fort. Open aussi. Bon, on va le pouvoir. On va lui donner une petite tape. Comme on donne à un petit kid. Passe-moi ton tournevis. M'attends. Ouais, je m'appelle pas Bob Gratton pour rien. Attends, ouais! Oh! Aïe, aïe! Donne-moi ça, toi! Hey! Garde-moi ça, Méo. Hein? Les autres, tu veux, est-ce avec le guinée d'en face? Ils peuvent bien en avoir 4 puis 5 femmes, ces turbans-là. Tu sais que des fois, ils doivent pogner des mauvaises surprises, hein? Quand ils leur enlèvent le voile de dedans en face. Hey, t'imagines, t'en pognes une avec des palettes de même, là. Give me a call. Checklist, tu sais. Ils portent une robe. Je l'écœure-tu, moi, me promenant dans ma cour à triquer n'importe comment? Hey, Méo, je suis sûr que t'es un terroriste, lui. Quoi, je suis ça? C'est un arabe, c'ti. Je suis pas un fesse mieux que l'autre. C'est justement, ça cache quelque chose, ça. Tu sais, à la TV, quand ils demandent aux voisins comment est-ce qu'il était le gars là, qui a tué toute sa famille, ben, ils disent tout le temps, oh, c'était un gars bien tranquille. Ben, les tranquilles, c'est eux autres les pires. Hein, regarde-les, l'arabe, il joue au bon père de famille, là. Mais je suis sûr que dans sa cave, il fait des bombes, c'ti. Puis ça me surprendrait pas qu'il envoie des enveloppes avec de la poudre dedans, là. Comment t'appelles ça? Un sac. Ouais, de l'ex-lax, c'est ça. Tu vas voir, à un moment donné, il va faire sauter tout le quartier. Ah ouais, mais oh, fais-moi le feu là-dedans.
Tiens. Regarde ça, Méo. Tous les jours, à la même heure, c'est la même affaire, Christy. Il en manque pas une. Faut être cave en esti. Hey, c'est le même gendron en télévision. Faut que j'aille partir mon enregistreuse. Paul, je voulais te voir parce que j'essaie d'avoir mon permis de vidéo poker au garage, puis je me demandais si toi, en tant que président de la Chambre de commerce, tu pouvais pas faire quelque chose. Ouais, pas évident. Merci. Hey! Hey! T'as pas le Mac? Regarde-moi ça, toi. Si je voulais manger du gazon, si j'aurais rien qu'à licher le dessous de ma tondeuse. Comme ça, tu me dis que tu peux rien faire, hein? Non, pas de ça. J'ai juste dit que ça allait être plus difficile, là. Mais tu sais ce qu'on dit, hein? Un service en attirant un autre. Inquiète-toi pas. Je te demanderai pas de m'aider à manger ma sandwich. Non, j'ai mon petit neveu. Ouais, c'était un ado, mais bien correct. Intelligent aussi, pour les jeunes. Bien certain, comme son oncle. Les jeunes, tu viens de lâcher l'école. Ma soeur aimerait bien ça que tu trouves une job. Je vais l'engager au garage, parce que ça l'aiderait. Et moi, ça m'enlèverait mon hostie de folle de soeur sur mon dos. Un ado. Tu peux pas engager un ado, ça sait rien faire. Sauf faire de la drogue. Qu'est-ce que ça me va? Je suis pas obligé de faire ça aussi haut que la place de Ville-Marie. Ah, oh, mais dans ce cas-là, le permis vidéo poker, tu peux l'oublier. Non, non, OK, j'ai compris. Envoie-moi aller ton ado, là, au garage, je vais voir ce que je peux faire, puis... En attendant, passe-moi donc ton crayon. Sino. C'est une sandwich à marde, là. Tu peux le garder, si tu l'as. En échange, tu parles le bill? Ouais. Hey, mais oh, hein? Un don du Gilles Proulx. OK. Quand? OK. Mets celle où il varge CBS. Et OK. Moi, j'ai plein de CBS. Je sais pas, mais... Mets celle du 8 octobre 98. Un bon en nasty, celle-là. Mais oh! Ça y est! Ça va, mon petit voisin! On est-tu mort? Ça va? Oui, ça va. On se protégeait du soleil, hein? C'est plus comme avant. On fait attention à cette heure. Excusez-moi pour l'avion, hein? C'est à mon fils, Rafa. Ah! Il se pratique à piloter, j'imagine. De toute façon, je vous annonce qu'on va bientôt cesser de vous importuner. Nous devons déménager. Oh oui! Vous déménagez, c'est le fun! Non, je veux dire, c'est plate. En fait, si ça vous tentait de déménager, c'est le fun. Mais pour nous autres, c'est plate de vous voir partir. Mais on est bien contents. Non, je veux dire, on n'est pas content de vous voir partir, mais on est content que vous soyez content de partir. Si c'est le cas, là. Merci. Merci. Think big, mon Abdoul! Yeah. Open, esti. Qu'est-ce qu'elle a qu'elle open pas? Bon. Salut, je m'en viens voir, monsieur Bob Gratton. C'est moi. Si c'est pour me vendre du chocolat, là, tu peux te le fourrer dans le cul. Non, je suis Steven, le neveu de Paul Blanchard. Oh,
C'est toi, ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as-tu fait un face-à-face avec une quincaillerie? Mais oh! Viens ici. Ouais, non, 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 c'est pas ce que tu penses. C'est Steven, le neveu de Paul. C'est lui qui s'en vient travailler avec nous autres. Viens m'aider, là, regarde. J'ai la main poignée. Oh, sans dessin. Peux-tu vous aider? Ah, non, non. Je veux pas pogner le tétanos, moi. Ah! Comment t'as fait ça? Disons que c'est pas le premier cache que je rouvre. Sors en avis. Raph, regarde-le. Bon débarras. Canada. Merci, Pete, pour avoir fait partir mon voisin. Faites que mon prochain voisin soit blanc, hétérosexuel, puis fédéraliste. Normal, comme moi. Au Canada. Yeah. Allô, allô! Je suis Henri-Paul Beausoleil. Je viens tout juste d'aménager à côté. Ah, moi, c'est Bob. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un de normal comme voisin. Pas une espèce de fanatiste religieux qui se promène avec un robe, là. Tu parles d'un djellaba? Tabarnak, t'es savant, toi. C'est le fun d'avoir quelqu'un qui est capable de m'accoter côté cerveau. Hey, je te dérange pas, là, j'espère. Hey, pas en tout, je suis en train de laver mon drive, oui. Ouais, justement, à ce sujet-là, mon Robert, je voulais te dire que... Non, pas Robert, Bob. Ah, OK. Ben, je voulais te dire que l'eau, c'est pas inépuisable, hein? Personnellement, je favorise fortement une saine utilisation de l'eau. Ben, c'est ce que je fais, hein? Mon drive est sale, je prends de l'eau pour les nettoyer, c'est pas du gaspillage, ça. Oui, mais Robert, nos ressources en eau potable sont pas illimitées. Écoute-donc, le smart, t'es Charles, hein, toi, quand on flatteur, on va... Non, non, mais je me dis que si je peux sensibiliser une personne par jour, ben, je vais avoir fait ma part pour un monde meilleur. Bon, ben, bonne journée, mon Robert. Bob, asti. Mm-hmm. Bob. Tu compris? Oui, oui, oui. Répète pas non ça pour moi, là. Parce que tu peux pas ouvrir juste le cache. Pourquoi? Parce que c'est le même. Pourquoi? Pour que le cache ouvre, là, il faut que tu fasses une transaction, OK? Donc, si tu veux ouvrir juste le cache, il faut que tu fasses zéro, total, open. Pourquoi? Parce que c'est le même. Pourquoi? Essaye. Essaye, lui. Je l'ai. Mais où? Mais où je l'ai eu? Mais où? Je l'ai eu! Thank you.
C'est une bonne idée, ça, mon Robert. Tout le monde connu! Hostie de gang de séparatistes! Comment ça va? Mon Robert! Bob! Pas Robert! Ah oui, OK. Hey, je voulais m'excuser pour la musique hier. Hein? Je pense qu'on a un peu exagéré sur la tisane. Là. Ouais, j'ai bien vu ça. Ça aurait été moins pire si ta tisane t'affumait pas. C'est parce qu'il y a des amis qui sont venus me visiter, puis on a l'air de rien comme ça, mais on est des méchants sur les ronds quand on veut. Ouais, ça turluronnait pas mal d'aplomb. Qu'est-ce que tu fais, non, là? Ben, je peinture mon driveway, ça va être plus propre. Ah oui, mais c'est aussi beaucoup plus polluant. Je fais justement partie d'un groupe qui s'intéresse à la dégradation des marais à cause de la pollution. Hey, savais-tu qu'il est pas rare maintenant de rencontrer des grenouilles à six pattes, hein? Ça t'arrive-tu d'arrêter des fois? Je commence quasiment à regretter mon voisin arabe. Hey, calme-toi, Robert, c'est juste que... Je suis concerné par l'environnement. Écoute-moi bien le souffle. L'environnement, ça veut dire ce qu'il y a dans les environs. Puis ce qu'il y a dans tes environs, à toi, c'est moi. Fait que si tu veux faire attention à ton environnement, là, crisse-moi donc à paix avec tes parties de fumée de Wananiche puis ta crisse de couche d'ozone. OK. En tout cas, garde ça en tête, mon gars. Bob! Les grenouilles à six pattes. C'est bien tant mieux, si les cuisses de grenouilles coûtent assez cher. Oh. Oh non. Pas du Gilbert Vigneault en plus. Oh. Il y a des limites à l'endurance. Bon. Regarde, c'est pas bien compliqué. Tu fais zéro, total, puis open. Et pourquoi? Il faut vraiment être slow pour pogner ça. Hey, Steven! Viens montrer à l'hostie d'innocent là, comment ça marche, le cash. Bon, c'est qui de vous deux, l'innocent? Hey, toi, prends pas trop tes aises. Couillon, oui. J'ai remis un pic, oui. Excuse-moi, Méo. C'est mon hostie de voisin. Il fait des parties tous les soirs dans sa cour. Du Paul Piché, du Gilbert Vigneault. Qu'est-ce que ça va être la prochaine fois? Du Clock Merville, là, si je suis plus capable? Comment tu me donnes si je t'arrange ça? Hey, c'est pas un ado percé qui va régler mes problèmes, OK? Regarde, qu'est-ce qui a fait fonctionner le cash? 100 piastres. Tu veux un peu de tonton qui en ferait ça? Oui, penses-tu que ton voisin aime ça? Si sa visite n'écrise pas après ça, je sais pas ce que ça va lui prendre. Si tu donnes pas de place pour faire la fête! Eh oui! Ça, c'est tous mes nouveaux amis! Puis ils vont camper ici une couple de jours. Puis ils vont écouter de la musique de drogués en masse. Ah oui! Mais tant mieux! Je suis content de voir que tu fréquentes des jeunes, mon Robert. Ça va te garder l'esprit ouvert! Hey, le jeune, passe-moi dans ça, toi! Hey! Ben, toi, hein, c'est plus fort que de la tisane, ça! Relax, Bob, là. Profite au lieu de te craquer. Vas-y, mon Robert. Final. Non, putain, man. Hey, la gueule!
Dans le prochain épisode, comment ça qu'il y a encore personne ici? Il découvre la mondialisation. Un chinois, c'est qu'ils connaissent des chars, ils ont suivi des cours de mécanique en s'en allant dans le container. Et joue au consommateur averti. 2000 pièces! Eh oui, mon Bob, 2 ans, 700 par mois, ça te fait même pas une pièce d'alors. Y'a rien là, hein? Bob Graton, Ma Vie, My Life, lundi prochain, 21h. Une dénonciation de Axe. Ils ont le physique, mais ont-ils l'étoffe d'un top modèle? Là, vous vous agissez exactement comme une bande de gamins complètement irresponsables, mais vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas les stars. Découvrez qui passera le test à Portfolio derrière l'image, jeudi le 8 février. Découvrez la magie de Criss Angel après la pause.